Bonjour et bienvenue, nous allons repartir une nouvelle fois dans le monde de Anthem, un monde qui se fait vide et commence à prendre énormément de temps à évoluer, mais dans tous les cas, cette fois, nous allons nous arrêter sur les nouvelles armes. Je vous rappelle qu'il y a plus de 30 nouveaux objets qui vont arriver avec le cataclysme, et 9 d'entre elles sont des armes. Donc replongeons-nous dans le PTS. Encore une fois, le serveur test public est uniquement disponible sur la version PC de Anthem et ne va jamais arriver sur console, donc pour les consoleux, désolé, mais prenez votre mal en patience. Il faut aussi prendre en compte que vous allez voir du contenu qui n'est pas encore sorti, donc de 1, faites attention aux spoilers, et surtout gardez en tête que ce contenu est toujours en phase de test et donc peut comporter différents problèmes, comme des glitches ou autres. Avant de commencer, je vous invite à aller faire un tour sur ma playlist d'Anthem si vous voulez en voir plus. Vous allez y trouver des vidéos sur les différents builds de Javelin, des news, les streams des développeurs et bien entendu les tests du PTS. Puis je rajouterai aussi les liens de mon Discord et de ma chaîne Twitch si vous êtes intéressé. Maintenant passons aux choses qui nous intéressent. Il y a donc 3 nouvelles catégories d'armes et chacune d'entre elles comporte 3 armes. Vous avez les Volt Caster, les Pulse Accelerator et les Blade Slinger. Ces armes sont uniquement disponibles en version magistrale et légendaire et peuvent aussi être récupérées uniquement chez le marchand du cataclysme. Elles bénéficient aussi d'un e-level plus élevé que la normale de plus 5. Je vais donc découper ça en 3 différentes vidéos pour les bienfaits de la simplicité, donc regardez la description pour les liens des 2 autres vidéos. Dans cette présentation, nous allons donc nous attarder sur les Volt Caster. La description explique que les Volt Caster utilisent une technologie d'accélération de particules pour générer une énergie sur l'électricité ambiante. Donc nos 3 armes vont avoir des dégâts de type élémentaire électrique. 2 d'entre elles ne peuvent pas critiquer. Nous avons le Lightning Rod, le Jarrah's Wrath et le Flash Fire. Nous commencerons donc avec le Lightning Rod. Le Lightning Rod génère une boule de foudre à chaque chargement de votre tir. Il y a beaucoup de caractéristiques à prendre en compte avec cette arme. De 1, la boule de foudre semble être assez lourde et va donc tomber en arc si vous tirez de trop loin. De 2, l'explosion de la boule peut frapper jusqu'à 4 fois la même cible, ce qui fait énormément de dégâts. L'explosion est aussi une AOE qui va donc pouvoir toucher plusieurs cibles à la fois. Mais ce n'est pas tout, elle est aussi un déclencheur de combo. Les dégâts et le type de combo vont directement être tirés de votre type de javelin. Nous avons aussi une dernière petite chose. Apparemment, elle aurait aussi une sorte de passif, le même type de combo que le tempête, c'est-à-dire qu'elle va passer une altération d'état, comme le gel par exemple, sur d'autres cibles aux alentours, de plus que votre propre type de combo tiré de votre javelin. Je sais, c'est un peu compliqué, mais je vous laisse admirer en images. Pour le suivant, nous avons le Jarrah's Wrath, la fameuse arme maudite tirée du trailer de l'E3 2017. Eh oui, tout le monde s'en souvient encore. Okay, I'll get this round. Oh, come on. Be something good. Oh, yes, Jarrah's Wrath. Oh, nice. Donc cette arme libère un souffle d'arc électrique de courte portée. À part le petit bug de cette arme, le tir n'étant pas centré sur le canon de l'arme,
Elle tire en continu un arc de foudre qui peut électrifier les cibles. Donc ça en fait une arme de type starter pour les combos. Par contre, l'effet électrique semble prendre assez de temps pour être activé. Mais en contrepartie, l'arc électrique est très large, ce qui la rend plutôt pratique pour éliminer des groupes importants d'ennemis. Je vous laisse admirer. Pour le dernier, nous avons le Flash Fire. Le Flash Fire déclenche une attaque électrique qui va passer d'une cible à l'autre. Le tir peut toucher des cibles assez loin et va passer du courant sur les cibles adjacentes par rapport à votre cible principale. Il semblerait que les cibles secondaires prennent un coup électrique tous les deux coups sur la cible principale. Et bizarrement, cette arme a la possibilité de critiquer. Je vous laisse encore une fois admirer. Donc ceci va mettre fin à notre démonstration. Pour cette catégorie, je vais aller avec le Lightning Rod, qui peut complètement changer le build de votre javelin, et vous pourrez même en créer un qui tourne autour de l'arme. Les dégâts sont très élevés, le fait de pouvoir déclencher les combos offre pas mal de possibilités, surtout avec les différents types de combos dépendant de votre javelin. Et bien entendu, si on parle d'électricité, tout le monde pense aux tempêtes, mais je pense que vu les dégâts et le fonctionnement de l'arme, elle pourrait aussi être dévastatrice avec d'autres javelins, comme possiblement le commando. Merci infiniment d'avoir regardé, tous les liens utiles de la chaîne sont dans la description, et je vous souhaite bonne chance dans le monde de Anthem.